Bonjour amis voyageurs, aujourd'hui on est sur la côte amalfienne et on vous amène sur le sentier des dieux. C'est parti! On est parti pour faire une marche de 6,5 km dans un sens, puis on va revenir sur nos pas. On vous expliquera tout ça pourquoi. Et en attendant, on va profiter du paysage. Normalement, le dénivelé est très bas sur cette zone. Enfin, vraiment, c'est assez plat. Donc, quoi de mieux comme randonnée avec un panorama pareil? Allez, allons profiter. I'm alive, she said. I could cry, but I won't. Histoire de vous faire profiter du panorama, le chemin des dieux s'appelle ainsi en fait parce qu'il y a une légende qui dit que les dieux sont descendus de ce chemin pour rejoindre la mer où se trouvaient des sirènes. Et pour la petite histoire, il s'agit des sirènes qui ont essayé de charmer Ulysse pendant son odyssée. Voilà, voilà, pourquoi ça s'appelle le chemin des dieux. Mais j'ai envie de dire, un si beau chemin de bannière, ça peut pas s'appeler autrement. C'est tellement beau. Waouh, magnifique. Allez, on continue. Notez que je marche loin du bord, autant qu'on peut. Ça n'a pas l'air stable du tout, certains endroits. Holy crap! Ah, j'ai regardé en bas, j'aurais pas dû. We were so. Je vais profiter d'avoir un passage un peu plus large. Le passage qu'on vient de passer, vraiment, ça va mériter un petit disclaimer. Si vous avez le vertige ou s'il pleut, ne faites pas la rando. Vraiment, n'essayez même pas. Il y a des passages assez étroits où vous êtes vraiment mais à fleur de falaise. Je suis pas sûre de la stabilité du terrain. Donc vraiment, si vous avez le vertige, ne tentez même pas l'aventure. C'est pas pour vous du tout. Du tout, du tout. Vous me remercierez. Là, ça va. Tout à l'heure, ça allait pas. La civilisation. On a marché combien de temps, Wen? 1h50. Avec arrêt photo, arrêt drone. Donc 1h50 en prenant bien bien son temps. Donc on était à, je sais pas, 1h30 normalement. Voilà. Donc maintenant on va aller se poser un peu, on va essayer de se trouver à manger et on va la refaire dans l'autre sens. Ma foi, ça sera pas la même vue, hein, c'est de l'autre côté. Allez, à manger. Donc on a décidé de changer nos plans. On va faire la rando jusqu'au bout, en fait, ce qui correspond à descendre à pied à Positano. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de marche parce qu'on va descendre tout en bas. Mais de là, en fait, on va prendre un bus et on va aller visiter la ville d'Amalfi qu'on comptait visiter demain. Mais on sait que pour se garer avec le van, ça va être mission impossible, voire complètement impossible. Donc en fait, on va descendre, on va prendre le bus et on va aller visiter Amalfi maintenant. Et après, on prendra un bus pour rentrer au van. Voilà, voilà. Donc on se descend des marches et des marches et des marches. C'est parti.
Je ne recommande, mais alors absolument pas, de faire cette rando en partant de Positano. De monter ces escaliers, il faut être fou. On a croisé du monde qui montait. Il faut être fou. Il y a un peu plus de 1500 marches, je crois. Et c'est raide, hein. Là, nous, la descente, on est en train d'avoir du mal, hein. Donc, là, le faire dans ce sens-là, surtout qu'après la rando, bah, vous allez davantage monter que descendre. Non, vraiment, faut pas le faire de ce sens-là. Faut le faire de l'autre sens. Vraiment, n'essayez même pas. Sauf si vous faites un trail ou vous êtes sportif, je sais pas. Mais non. Nous, c'est non. Ça descend. On arrive vers le bas. On commence vraiment à fatiguer. J'ai demandé à Owen s'il me rattraperait si je tombais. Il m'a dit non. C'est chacun pour soi, là. J'en peux plus. Pétard, n'en vois pas le bout. Oh. On y est. On y est. À la dernière marche. Ouais, je suis morte. Ouh. Ok. Maintenant, le bus. Ça y est, nous sommes à Amalfi. On va aller profiter de la ville, c'est-à-dire manger une glace. Et je crois qu'on va avoir le choix ici. Ouh, c'est mignon tout blanc. Donc les glaces. Il y a des glaciers de partout dans la ville. On a choisi le bar Royal, on se régale. Owen, ton avis? Limoncello super, le pistachio meilleur que j'ai jamais goûté de ma vie. Mmh. On est bien. Voilà, je pense qu'on va pas tarder à aller prendre notre bus et retourner au van. Donc on va vous laisser là et on se dit à la prochaine. Allez, ciao !